Salut les gens, c'est Stan, on se retrouve sur Project Zomboïd avec Katox, Lucine, Damned, comment allez-vous? Ça va très Bien, 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 et toi? vous-même? Ça va super. J'arrête pas de trouver les trucs qu'on a laissés par terre, comme des clés de voiture par exemple. Juste à côté d'une voiture. Peut-être qu'on les a laissés là parce que c'était la merde et qu'on s'est dit bon bah repli. Ah, c'est intéressant ça, j'ai fait un sauté avec des pommes de terre. J'ai mis 4 pommes de terre, ça a mis de la dépression alors qu'avant il n'y en avait pas. Du coup, si tu mets que des pommes de terre, visiblement, Bah, c'est un c'est peu des la pommes de merde. terre, quoi. Et il faut diversifier les trucs pour avoir moins de dépression. Ouais. Le problème, c'est que. Je t'ai trouvé une clé de Masterson Horizon. T'as la voiture qui va avec? Juste à côté d'une épave, en tout cas, j'ai trouvé ça. Une épave, Merde. vraiment complètement épave. Peut-être pas besoin d'autant. On va essayer de congeler ça. On va rajouter quelques trucs. Pourquoi je peux pas l'ouvrir mon sac de tomates? Ah, parce qu'il est congelé. On peut pas cuisiner ni ouvrir les trucs congelés. Il faut attendre que ça se décongèle. Merde. Ouais, bah faut que tu en sortes un de temps en temps au du congélo quoi. Ouais, la veille pour Ouais. le lendemain quoi, ce genre de truc. On va mettre ça là du coup. Et puis ça là. Puis on Mets reviendra ton sac de cuisiner tout tomates à dans le l'heure. micro-ondes. Ouais, mais il y a déjà des trucs à cuire dans le micro-ondes donc. J'y ai pensé, mais je me suis dit non, non, c'est pas urgent, il y a une poêle pleine. On va retourner démonter des pneus plutôt. Les gars, vous croirez jamais ce qui m'arrive. Tu t'es fait bouffer? J'ai zéro icône à droite. Ah ouais, c'est vrai que ça se fait rare ça. Menteur. Surtout chez Slan. Tiens, Je qui c'est demande qui un a sorti prescrit. le minivan là? Tu démontes des C'est trucs? moi, c'est moi. Je suis Il parti m'a vu avec surbander, je peux peut-être pour l'enlever là charger des maintenant. meubles. Bah non. Ah, mais j'ai une entaille! Ah ouais, Mais bah ça crie va pas pas se comme guérir tout ça. seul. Crie Pardon, pas il comme me ça. faut. Pourquoi j'ai froid, frais? D'accord. Il faut une. Il faut une des trucs de suture. Ah oui, carrément une entaille, c'est genre même pas juste le petit bandage quoi, c'est. Bah oui. Il fait pas semblant quand il fait lui. Hein. J'avoue. Charge extrêmement lourde. Attends, un pneu de voiture, on n'est pas non plus sur un truc de fou pourtant. Non. Surtout quand. Le nabo. Bah c'est dommage que tu puisses pas le faire rouler, tu sais, devant toi. J'avoue. Le mec il s'emmerde à le porter. Et y a un mec qui dit, mais tu sais que c'est rond et que tu peux le faire rouler en Et il est fait. peut-être moins Ah lourd si tu l'équipes. ouais. Bon, ouais, c'est pas très grave, là. Juste à traverser le parking pour aller le déposer, mais je vais aller vider du coup mon coffre de camionnette, puisque mon coffre de camionnette est plein. J'ai eu tellement de merde dedans. Alors, on va prendre le sac, on va faire tout prendre. On va prendre le maximum dans le sac. Voilà. Il me faut ce fichu livre de recherche. Utiliser en objet principal. Ça va, c'est pas si mal. De même trottiner. Par contre, je suis essoufflé. Hein. Force de faire des allers-retours en portant des portes et des pneus. Hein, il faut faire du fitness. Hein, moi, je te Vous voulez dis. pas qu'on fasse un tour en ville? Le On pneu. peut. Merde, je peux pas Avec mettre ça. la ville qu'on avait commencé à nettoyer ou qu'avait commencé Merde, à là nous aussi, c'est nettoyer. plein. C'est plutôt l'inverse. Mais il faudrait qu'on y L'inverse. aille et qu'on avance pas avec les voitures et prudemment avec les quatre lances. Ça Oh devrait le le mec il faire. fait des trucs compliqués. Les lances elles se cassent pas si facilement par contre? Façon spartiate quoi. Parce qu'elles doivent Bah si, elle se avoir casse facilement, forcément. mais on peut en mettre 50 dans le coffre de voiture. C'est les 300 sauf qu'on est 4. Ah oui. Oui, C'est c'est ça. ça. Ouais, et C'est puis tout à fait les légitime. 300 ils bougeaient pas. Là si on avance c'est plutôt les zombies qui joueront la défense. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, ils vont pas jouer à défense. Moi, je les connais, ils vont avancer. Je voulais pas dire là, j'aurais pas cassé l'ambiance, mais. Je peux savoir pourquoi au sol, là, il y a autant de bouquins? J'ai posé la question il y a 5 minutes et comme j'ai pas eu de C'est pas réponse, bah, je me les suis dit bouquins qu'on que. avait en double? Je pense. Ils fichent Mais dehors? j'ai. Non, non, moi, je suis pas fait pour tout ramasser. C'est nul quand je ramasse. Ça met 3 Dehors? heures. Mais oui, qu'est-ce qu'ils foutent dehors? Ça doit être les Une belle bouquins en collection. double. Ouais, je pense. Du coup, vous pouvez les Je vais mettre dans la regarder. poubelle et vous pouvez faire tout supprimer, c'est mieux. Ouais, est-ce qu'il y a la recherche 2? Je vérifie quand même. Il y a la recherche volume 4. Donc effectivement, ouais. On part? Ouais, mais il faudra peut-être d'abord que chacun prenne une bouteille d'eau, mange un coup. Surtout toi, Slan. Allez, Ah, on ça y va faire va. 5 minutes que t'as pas mangé.
Ouais, puis faut que la bagnole soit vidée. On n'a plus qu'une seule voiture, hein, avec deux places, hein, je rappelle. Hein. Ça va être compliqué du coup. Bah, faut qu'on aille chercher des bagnoles en ville. Alors dans ce cas-là, faut que tu nous déposes en ville et qu'on aille chercher des bagnoles. Bah, je peux faire ça. Je peux vous déposer en ville et puis essayer de désosser la Chevalier d'Art avec le moteur mort pour relancer celle qu'on a là. Première étape, on va chercher des bagnoles. Alors moi, j'utiliserai recherche pour essayer de trouver des clés par terre, près des bagnoles. Ça, c'est cool de pouvoir trouver des clés, j'avoue. Ah, tu peux trouver des clés comme ça? J'en ai trouvé. Ah. Mais je sais pas si la clé était pas déjà posée là, quoi. Ah. Oui. Oui, c'est difficile d'être sûr, quoi. Est-ce que je devrais pas jeter toute la bouffe vénéneuse avant que tu la cuisines? Non, non, je fais attention. À partir du moment où tu l'as identifié, je le vois quand je peux cuisiner, il me dit ajouter poison en fait. D'habitude, super. Il me dit ajouter nourriture et là, il me dit ajouter du poison. Donc je peux cuisiner de la bouffe empoisonnée discrètement. Tiens d'ailleurs, elles doivent être un peu décongelées. Donc s'il nous demande lequel est le prochain à venir manger, méfiez-vous. C'est ça. Méfiez-vous. Alors, est-ce que du coup, maintenant, mon sac... Ah, il est toujours congelé, mon sac de tomates, hein. Mais t'as me ramené des trucs, je peux peut-être mettre un petit peu de chou. Ouais, je peux mettre du chou. Je mange qu'un quart, là, pour le coup. Parce que je suis pas affamé. Ah, il n'a rien là, changé. Ah bah non, je suis en train de manger. Ouais, attends, laisse-moi voilà. Le temps de manger, quand même. Ah, bah, parfait, on va mettre une petite carotte par-dessus et il n'y aura plus du tout de stress. Voilà, parfait. Je t'ai ramené encore des sauterelles, j'ai ramené des pierres, plein de graines. Il y a une caisse pour mettre les graines ou je jette tout par terre? Je crois que ça fait partie des caisses du fond. Dans la, ouais, dans la petite cahute à l'extérieur. Oh, c'est trop loin. Plein de graines. Oh, quel flemmard. C'est trop loin. Tourne. La pierre, hop. Ok, bah moi je suis équipé, c'est fait. Et les bouteilles d'eau, c'est où? Est-ce qu'on a des endroits où on a mis les bouteilles vides? Je sais pas, peut-être dans la cuisine. Tout ce qui est bouteilles, j'ai mis ça dans le frigo des bouteilles. J'ai mis tout dans le frigo qui est tout à droite quand vous rentrez. Il y a que des bouteilles, des sodas, des trucs d'eau, il y a tout. Canette de bière, soda à l'orange, vin blanc, vin rouge. Bouteille de soda vide, donc tu peux la prendre. Bouteille remplie d'eau, voilà, une. Vérifie qu'elle est vraiment remplie d'eau. Ouais. J'arrive, hein, je démonte mon troisième WC, je suis là. Bon, et avant de partir, j'ai cuisiné un truc, vous pourrez en manger un quart chacun. Hein. C'est moins sans de faim. Ah, bien. Bon, je vais en ville à pied. Puisqu'il y a personne pour m'amener en voiture. Ah, c'est vrai qu'on a plus... Bah, il y a le camion aussi, hein, si vous voulez. Ah, si on peut juste... Ah bon, si c'est juste amener le camion, ouais, le camion, il y a plus de coffre, mais on peut mettre des gens dedans. Bah, l'idée, c'est qu'on aille... Oui, c'est ça, bah alors le camion. Si, il y a un coffre. On aille trouver des nouvelles voitures. Plein à craquer, quoi. Ah non, mais le minivan, il y a que deux places. Oui, par contre, plein de quoi? Bah, déjà, il a pas été vidé, c'est pas cuit. J'ai chargé des meubles dedans, donc... Ah non, c'est cru. Dangereux. Le minivan, il y a 5 places. T'as dit qu'il était dans le truc et... J'ai dit vous pourrez en manger qu'un quart, mais oui. Ce van là, il est bien, mais ce van là, il a pas de coffre. Mais je peux vous emmener avec, par contre, et tous d'un coup. On y va. Pour contrer une éventuelle indigestion, je vais me boire un peu d'alcool. Ouais, alors attendez, je reviens avec mon... Je rentre. Quelqu'un peut m'ouvrir la... Ouais, je finis sur ma cuisson et j'arrive. On avait pas une bouteille de brandy? Ça y est, c'est cuit. Ah les gars, qui a cuvé? Qui a cuvé le whisky? Bien quoi. Aimable. Normalement, j'ai même un petit peu, je l'ai même un petit peu réparé. Déchargerai plus tard, il y a des meubles derrière. Pour mieux arranger. Allez, vérifie. En ville. Alors, en ville, ok. Donc on cherche des bouquins. Faut que je fasse cette fichue liste. Allez, hop, on y va. C'est vrai, ça fait 10 fois que tu le dis, je crois. Ouais, je sais, ouais. Les viewers en seront témoins. Le temps que vous préparez, je vais commencer à aller faire la liste. Ouais, le moteur est dans un état un peu pourri, mais au moins on a des pneus, il y a des portes, il y a des sièges. Ça devrait aller. On a même un silencieux. Par contre, alors, faut couper le moteur, là. C'est quel moteur qui tourne, là? Ah pardon, ça doit être moi qui ai pas coupé le moteur de... Attends, j'y vais. Ah oui, c'est ça. My bad. Un trappeur 1-3-5.
Électricité, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, il y en a qui sont un peu gâtés quand même. Ah, il y en a plus, de, plus gâtés que d'autres, ouais. Couture, 1, 2, 3, 4. Alors, Katox, tu veux conduire? Je vous laisse au pire, hein, je vous laisse partir. Hein. Non. Ouais, je peux conduire, moi. Je suis pas obligé de repartir avec après tout, mais. Je ferai mieux que l'autre fois, hein, je pense. Normalement. Ou pas. Oh bah, de toute façon, tant que c'est pas toi qui conduis, tout va bien. Hein. Alors attends, si je veux démonter des trucs, je vais regarder qu'est-ce qu'il me faut ici. C'est vraiment le moment de démonter juste avant de partir? Non, mais parce que j'irai m'occuper de la voiture qu'on avait laissée en plan là. Mais il faut que j'ai les outils qu'il faut. Portière de coffre. Oui. Une clé plate, ok. Le capot. Une clé plate, c'est pas mal. Pare-brise. Il va me falloir un tournevis. Alors, donc moi, il faut que je bois et que je mange. Donc manger, t'as dit qu'il y avait. Ouais. Dans le micro-ondes, c'est cuit, c'est bon. Je suis fumeur, moi, non? Bah, y'a plus les beaucoup de. Ah, si? Fumeur, ouais. La recherche. Se faire une petite clope. Ça y est, j'ai tout noté les bouquins. Ça a l'air bon, ça. Bah, tiens, en speed, tu veux pas aller vérifier s'il y a pas un duplicat par erreur dans le. Le pire, c'est qu'il nous en manque tellement pas beaucoup. Il manque surtout le trappeur 2, la pêche 2 et la recharge 2 déjà. Techniquement, on n'est pas trop mal, hein. Comme par hasard, ce que je dois faire. Allez, prêt à partir. Bah, la pêche 2, il est là. C'est pour ça que je t'ai dit d'aller vérifier. Putain, ça démarre pas. Ça y est. Est-ce que c'est ouvert là? Quelqu'un peut me dire? J'ai pas l'impression. Couture, l'électricité, la clé. C'est ouvert. Enfin, moi c'était ouvert quand je suis arrivé de l'extérieur. Mécanique, ouais. 1, 2, 3, okay. La pêche, un faux fil. Mais non ouvert. Fallait pas passer, Katox passe à travers les murs. Son pouvoir. Allez, oubliez pas de fermer les portes. Bon, je vais couper le contact le temps que parce que mine de rien, il y a plus beaucoup de carburant dans, dans celui-là. Alors, la pêche volume 2. Ah, moi je me suis trompé. Ah bah non, j'ai mal noté, c'était la pêche 3 qui manquait, bah c'est sûr que okay, si. Ok, il y a des allumettes et un stylo rouge, ça peut nous servir. Ok. Bon. Allez, c'est bon. Ok. Et en plus, c'est bien fait, hein, parce que de là où je suis, je peux même pas accéder au siège où il y a des. Ah non, c'est parce que vous êtes assis, d'accord. Je me disais, je peux pas accéder au siège tout à l'arrière, mais si, en fait, je peux accéder au siège tout à l'arrière. On est parti? Ouais. Bon, attends, déjà, j'essaie de démarrer, c'est bon. Alors, où est-ce que je vous emmène? Dites-moi. Bah, ta voiture que tu dois réparer. Vous avez tous pris plusieurs lances, hein? Oui, oui. Arrête. Non, c'est bon. Moi, j'ai suffisamment de quoi m'arraver du zonzon, donc ça va. Je crois qu'elle était par là, la bagnole. Vous l'aviez laissée sur un virage, là. Il me semble. Ouais, tu remontes la rue qui est là et. Tu vas redescendre plein sud. Les pieds sur le plancher là? Ouais, là j'ai surtout plus de moteur. C'est arrêté toute seule. Alors, moi ma voiture elle avait fait ça la dernière fois. Et à un moment. Je dis ça, je dis rien. Ouais, bah de toute façon, elle était dans un état de merde, hein, on est d'accord. Hein. Très cher Damned, pour te rappeler, c'était pas juste un moment inopiné. Oui, non, ça. Voilà. C'est là quand t'es rentré dans l'arbre un peu, quoi. Alors c'est toi tu descends là et nous on continue. Vous me laissez la camionnette par contre. Hein. Non. Ah mais je peux pas trop. L'objectif c'était que j'ai la camionnette pour ramener les trucs par contre. Parce que cette camionnette là vous pourrez rien ramener avec. Hein. Elle a pas de quoi. Pas réparer la voiture. Je peux pas la réparer. Je peux pas réparer. Je peux démonter des trucs et les ramener au camp. Ah bah alors ça sert à rien. Viens on va en ville. On cherche des voitures. On cherche pas des pièces. Hein. Ouais, ça, avec ces pièces-là, je pourrais réparer la carcasse qu'on a dans notre à l'intérieur de notre camp, quoi. Eh bah, au retour, on te dépose là. T'auras ta propre voiture au retour. Allez, dites-moi, c'est bon. En vrai, y'a plein de zones qu'on connaît pas, hein, où on aurait pu avec aller voir un aussi, coffre. Hein. Bah là, on cherche des voitures, y'en a partout, c'est pas forcément la peine d'aller très loin. Oui, mais je veux dire, c'est peut-être pas. Oui, c'est ça, c'est peut-être pas la peine aussi d'aller en plein centre où y'a beaucoup de zombies, quoi. On va pas aller en plein centre. Ah, d'accord. J'avais cru comprendre qu'on allait plein centre. C'est qui conduit? C'est pas moi, c'est le signe.
Avec sa connexion 4G. Donc normalement sur ta carte t'as un repère pour le jardin, non? Pour le potager qui... Quel jardin? Le potager, ouais. Qu'on avait découvert la dernière fois. Ouais. Ouais, je l'ai. Je l'ai. Non, 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 tout droit. tout droit. Ouais, continue sur cette... Hein, moi j'aurais continué sur cette route-là. Si tu veux le potager, il faut... sur la grande route, aller au nord. Et c'était... c'était derrière le bâtiment, le grand stockage de bâtiments construits. C'est la petite pomme là, c'est celle qui est au nord, ouais. À droite, à droite. D'accord, bah je sais pas, vous me dites au nord. Mais sur la grande route. Oui, pour faire. Non, demi-tour. Non, 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 voilà, tout droit, tout droit, tout droit. Non, 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 tout droit encore. On reste pas sur la grande route. Non, tout droit. Voilà, on reste pas sur la grande route, on va un peu plus loin. On s'enfonce dans les. Là, on trouvera des voitures. Le potager, c'est optionnel. Ce qu'on veut, c'est trouver des voitures. Bah c'est dans ce quartier que tu as trouvé des voitures, parce qu'après tu arrives sur les trucs de campervan. Tu trouveras rien. Plus au sud, il y en a. Plus vers le bas, en haut, on trouvera pas trop de voitures, je pense. Oula. Bah t'arrives dans le beau quartier, en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je trouve un endroit pour faire demi-tour un peu safe. Ouais. Non, non, continue, il faut qu'on cherche là. Ouais, tu peux peut-être. Ouais. Tu rôdes, on cherche des bagnoles de toute façon. Hein. Oh, la herbe de zombies là. On approche un peu. Ah putain. Ah. Barrage de police. Bah peut-être qu'on pourra récupérer les bagnoles de police. Ouais. Quelqu'un peut me débarrasser du zombie qui attaque ma fenêtre là, s'il vous plaît? Non. Il va falloir surtout se débarrasser de tous les zombies qui arrivent ici. Est-ce que j'ai une arme? Ouais, j'ai une pelle. Et une voiture. Allez. À l'arrière, s'il vous plaît. Avec vos lances. T'as raison, j'avais une lance. Putain. N'oubliez pas la technique du hit and run. Ah, mais on peut l'équiper à deux mains, la lance. Ah oui, équipe à deux mains. Nickel, j'ai tué un zombie mais avec la voiture. Alors, bah, je passe en mode de recherche. Elles sont fermées. Ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Sur la bagnole. T'as trouvé les clés? Un cafard. Ah. Merci Slan. Bah, essaye de le mettre dans le trou de la serrure, peut-être ça va l'ouvrir. Sur un malentendu. Ouais, je peux toujours essayer de démonter les portes pour accéder dedans, mais s'il n'y a pas la clé dedans. Franchement, oui. Ah non, mais elles sont mortes. Celle-là, elle est la rouge bonne vif. La bonne nouvelle, on a une bonne cohorte qui arrive là. Ah. Derrière toi, Slan. Oula. Non, elles sont juste pas récupérables les voitures. Ces voitures-là, faut laisser tomber l'idée. Hein. Je pense pas alors. Il y en a d'autres qui arrivent de l'autre côté. Le moteur est chaud si vous voulez courir dans la voiture. Non, on tue. Derrière toi. Y'a derrière. Putain, par contre, les lances, qu'est-ce qu'elles se cassent vite. Bah ouais, vu la puissance... Me roule pas dessus. Je fais ce que je peux. C'est de ta plaie là. Non, vous voulez pas partir du coup? Oh, moi je suis dedans. Hein. Attends, bah je vais la dégager la voiture, en attendant. Ah oui, c'est vrai que... Effectivement, les lances... Bon, au moins on est dégagé. Moi ils sont tous morts. Je vais juste vite fait voir le parking en attendant que les autres arrivent. Non, y'a rien devant. Non, oula. Là, il y a une voiture, mais elle est défoncée. Ah ouais. Si on récupère ça, on n'est pas gagnant, je pense. Ça arrive, là. Au secours. Ouais, faut rouler. Roule et prends-nous plus loin. Ouais. Ouais, bah attendez, faut que j'ai marre le moteur. Ouais, j'ai plus... Ma lance est cassée. Oh putain. Allez, on avance. J'ai zéro lance, ça se casse tellement vite, c'est connerie. Ah ouais, moi attention, c'est pareil. Attention, là, y a un espèce à peu près libre, je m'arrête. Foncez. Ah, c'est de la merde les lances en fait. Ok. Bah en fait c'est hyper efficace en dégâts mais ça se casse vite. Hein. Vu les dégâts c'est quand même l'intérêt. Par contre on a perdu Katox. Ouais. T'as un bout de bois quoi. Mais t'as sifflé encore. Bah oui j'ai fait exprès, c'est pour attirer Katox. Quoi? Non, Katox. Je sais même pas où c'est. Et il y avait des bagnoles là sur le parking. Hein. Ah ouais je sais mais vous avez dit que vous avez plus de défense ou quoi que ce soit. Je voulais essayer de faire le tour pour me faufiler pour récupérer Katox de l'autre côté. Laisse-moi descendre. On va bien trouver quelque chose. Oui, là.
Vas-y, y'en a un zombie qui se relève, tu feras gaffe. Hein. A plus. Je te trouve un magazine de cuisine déjà. À la limite, je fouillerais bien là-bas. Oh non, y'a du monde. C'est où le Catox ? C'est quoi ça ? Smith, ouais, j'ai là où j'ai défoncé tout le monde, globalement. Bah, on est là, ouais, si tu veux. Si attends, tu veux le grouiller à sortir et. Mais pourquoi me grouiller ? Oh, merde, j'ai buté tout le monde, y'a pas de problème. Bah, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Mais non. Alors, bouteille remplie d'eau, une banane, c'est bon, très bah, bien. Bon, bah, je me tire. Hein. je me tire sans vous. J'ai une bagnole avec une clé. Bien joué. Putain, je suis sorti. T'es sorti de quoi ? De la voiture ? Ouais. Parce qu'il y avait un zombie qui m'embêtait. C'est une chevalier d'art en forme, en celle-là, voilà. Ouais, mais je suis tout seul, là. Pas... Ils sont tous descendus, les autres. Ah, ouais, mais moi, je t'en... Tiens, salut. Salut. Attends, il y a une orange fraîche, là, je vais la... Bon, bah, vu que vous avez récupéré ce qu'il faut, je me tire. Hein. Je vais m'occuper de ma voiture. Hein. Bah, moi, j'ai pas... j'ai pas d'armes, par contre, mais... Et vous êtes où ? À part un tournevis. Où est-ce que vous êtes ? Nous on est dans la maison où tu m'as déposé Dans la maison à côté de là où il y avait la horde de zombies. En hein. Bois ouais, là en bois, enfin non en pierre pardon. Mais... En brique, moteur. En brique ouais. Ah, je suis au bagnole de police là, vous êtes loin des bagnoles de police ? Non on est à côté. Juste à côté, la maison qui est juste à côté. Attends, vous pouvez me rejoindre sur le parking ? Moi j'arrive. Catox, viens, ouais, c'est bon. Viens. Ouais. Ouf, la chute. Éclaté. Ah ouais. Ah, je comprends pourquoi tu voulais qu'on te rejoigne sur le parking. Effectivement, il a une bagnole. C'est de chaque côté, hein, pas du même côté. Hein. C'est une deux places. Ouais, donc faut monter derrière. Bah, rentre et dégage, vas-y. Vas-y. Vite. Go. Qu'est-ce que tu fais là, Catox ? Salut. C'est bon ? What the fuck ? Catox, t'es apparu fugitivement sur la bagnole bleue que je viens d'attendre. Est-ce que vous avez de quoi nettoyer ici ? Que je regarde si on peut prendre des bagnoles. J'ai une pelle. J'ai un tournevis. Allez-y. Pourquoi je peux pas l'enfiler, hein, putain. Non, bah, un tournevis, j'y vais, sérieux ? Bah oui. Je vais encore crever, hein. On enfile tout. Attends, mais mon mec a même plus... Non, mais le tournevis a cassé ou quoi ? Tu fais comme moi ! T'as pas éclaté. J'ai un couteau de chasse. Hein. Sinon. Ah non, j'ai l'ouvre-lettre, quoi. Regarde. Ah, t'as cassé ta lance, du coup, t'as récupéré l'ouvre-lettre qu'elle est avec ? Excellent. Apparemment. Ou non, je crois que j'en ai chopé un sur un cadavre. Bon, on cherche les bagnoles. Moi j'active la recherche. Oh là là, mais non, mais il est tout pété cette bagnole quoi, y'a rien à récupérer. Bon, il semblerait que moi par contre j'ai été largement égratigné. Oh oh oh! Bah, le capot c'est mort. Ah, j'ai un gilet pare-balles ici, qui veut. Bah, je prends, allez hop, enfilé, ça va me servir. Attends. Bon, on va aller voir vite fait de quoi on a besoin parce que là. Alors, les bagnoles, voyons ce que ça donne. Je réactive le mode recherche, vous essayez de voir si vous pouvez grimper dedans. J'ai une clé là sur celle-là. Ok, on démarre. Je sais pas trop dans quel état elle est, mais je pense que celle-là. Bah, tu la ramènes à la base. Attends, il y a de l'essence déjà. Ouais, il y a de l'essence. Normalement, il y a souvent de l'essence. Elle démarre. Au moins bon. Un peu. Je la ramène là-bas. Ouais, tu la ramènes à la base, ouais. Ok, bah, bisous, hein. Des bisous. Alors celle-là, j'ai pas trouvé la clé. Elle m'a l'air très silencieuse. Une portière de coffre, un capot, ouais, c'est vraiment manquant. Ok, donc là, elle est bien une fenêtre. Elle va vite, hein, par contre. Oh la vache ! Un peu et trop. C'est toi qui es fou du volant. Oui, mais. Ou doucement. Alors. Oui, mais il y a fou du volant et sur une voiture lente et rapide, quoi. T'as les clés dedans, Catox ? Non. Je crois que c'est par là. Attendez, je regarde ma carte. Je vais continuer à chercher autour. Bon, t'as regardé sur les zombies qui y a autour ? Ah, attends, j'ai repéré quelque chose. C'est compliqué à démarrer. Un ruban adhésif. C'est pas ça. Si mal. Dans le coffre, une clé plate et un pneu. Ça ne servira à rien. Ouais. Il y a des zombies près de l'autre bagnole, on va rentrer, je pense. Hein. On a ramené deux bagnoles, c'est suffisant pour ce qu'on voulait faire. Merde. Où est la base déjà ? Bah là en fait. Ok. Voilà.
Je suis dedans. Un zombie. Est-ce que je peux me faire un zombie? Alors, je m'y connais pas trop en mécanique, mais quand même, est-ce que mon personnage est capable de l'analyser? Catax, je suis dans la bagnole, hein, on peut partir. J'ai réussi à tuer un zombie. Ouais. Catax, moteur... arrête de jouer avec les zombies. Le moteur est pas en très bon état. Hein. Et le capot, j'en parle même pas. Bon bah du coup, je ressors, je vais aller fouiller les zombies. Oh bah, y'a de quoi, hein. La caisse. Moi, je suis chaud, moi. Mon personnage, il est même pas essoufflé, hein. Ouais, il a soif, c'est tout. Qui est là? Longue veste en cuir, je prends. On va pas jouer au con, on va rentrer dedans, on va aller prendre une vraie arme. Longue veste en cuir, ça protège bien des intempéries. Y'a le zombie qui tape à la porte. Ah, ça, j'en avais ramené quelques-unes, on a ramené un. Qu'est-ce qu'on avait ramené en plus? Oh, y'a un. Je crois que c'est Y'a quoi là-dedans dans le chicken? À manger, mais y'a surtout un barbecue qu'on peut peut-être prendre. Mais je sais pas, bon, c'est pas passé par l'arrière. Il y a peut-être une bonbonne de gaz ça, dans le barbecue. Il nous en faut. Je meurs de faim. Ouvert. Tu vois ça? Allez, monter le one shot qui fait plaisir. Ah, oh, il a un couteau de boucher dans le dos. Encore un gilet pare-balles, tiens. Hop là. Hop là. Étrangement, les feux arrière sont en général moins endommagés que les feux avant, dis donc. Ouais, je vois c'est vraiment marrant. Pas pourquoi. Moi non plus. C'est particulier. Il se passe des choses bizarres dans ce jeu. Pourquoi je meurs autant là? Un bandage sale. T'as ta plaie qui s'est rouverte sur ton bandage. Putain, ça cogne à toutes les portes là-dedans. Hein. J'ai rien trouvé d'intéressant. Sac en papier, plateau en plastique, paille. Il y a une clé ici, je la prends. Alors. Mais bon, Damnette, t'es rentré en entier? Je vais bien. Et la voiture? Non, c'est la voiture. Ouais, la voiture aussi, mais elle est pas en très bon état. Hein. Elle était pourtant parfaite en partant. Ah non, non, le moteur étant à 18%, je peux pas appeler ça être en bon état, non. Là, joue pas comme ça, Slade, on te voit. Alors, celle-là, on va laisser fermer. Voilà, Catax, j'ouvre et puis tu tapes. Tu es méchant, Slan. Pas vraiment, en fait, quand on y pense. Tous les crus, ça va nous faire du bien. Donc, je vais ouvrir mon sac. Pièce de rechange de moteur. Est-ce que je pourrais éventuellement... Je te ramène plein de poulet puru, du poulet cru et d'une boîte à œufs. Ça c'est cool. Le poulet qui pue. Le poulet de la viande os. Le poulet pru, du poulet cru mais qui pue. Il y a des très bien d'Amned. Hein? Ah, de l'huile végétale. Ah ça c'est il faut ça. Si vous trouvez du sel et du poivre c'est encore mieux, mais l'huile végétale il en faut. Ça augmente ta durabilité de rajouter des trucs. Attends. Bah, je crois qu'on a fait le vide ici. Non, on a des barbecues, tu peux peut-être en prendre. J'ai retiré le réservoir de propane. Je vais prendre avec moi. Retirer le réservoir de propane. Puis après, je vais choper le barbecue direct. Oh, ça va, je peux presque prendre les deux. Allez, on y va. Par contre, prendre le réservoir de propane. Parce que je peux pas les déplacer tant que j'ai. Tant que le réservoir de propane est dedans. Et ça, je te laisse le prendre parce que là, je suis peut-être un peu lourd avec les deux. Pas comme si j'étais pas en train de boire. Je vais manger du poulet cru. Ou du poulet cru congelé. J'hésite. Un cafard cru. Tiens, je vais manger ça. Je crois que t'as plus de chance avec le cafard cru qu'autre chose. Je vais le manger. Si t'es obligé de choisir en tant qu'affaire, ouais.
Ça m'a pas beaucoup amélioré ma faim. Allez. Voilà. Capot, mettre en place. Il faut un capot avant. Ah mais c'est pas un capot que j'ai pris là. Ah c'est la portière de coffre peut-être. La voiture blanche, on l'a testée ou pas, celle qui est tout au bout? Regardez. Merde, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un capot mais comme il est cassé, je peux pas le remettre. D'accord, bon bah tant pis, on va le ranger alors. Ah oui c'est vrai que tu l'avais regardé et tu m'avais dit qu'il y avait pas la clé. Ça c'est plein, ça c'est trop plein. Et est-ce qu'il y a d'autres bagnoles pas loin? Bon bah je vais commencer à mettre des trucs dans les caisses parce que c'est trop plein. Bon, peut-être de l'autre côté de la rue, je crois qu'il doit y avoir quelque chose. T'es sérieux? Je peux pas mettre ça dans les caisses? Elles sont trop pleines les caisses. Ah bordel. Il y a un pancake house. Tu veux venir m'aider? T'es où? Pancake house au nord. Ah, y a des zombies qui m'ont vu. T'es à l'intérieur? Ouais, je suis dedans. J'ai pas éteint le moteur. Merde. En plus de celui qui est en train de refaire la vitre. Je suis ressorti par derrière. Merde. Ça. Ça, on va pouvoir le remettre. On a plein qui m'ont crap. C'était quoi ce coup de feu? C'est un coup de feu spontané. Damnée. Ouais. Non, c'est pas moi. Moi, je suis là. Non, je suis en train de monter des meubles. Donc, si tu veux. Mais je suis à la base. Comment j'ai pu entendre un coup de feu? C'est spontané, un coup de feu spontané. Ah, t'as des events dans les. Ah oui, genre le truc qui fait un coup de feu. Ah oui, putain. Ouais. Ou la femme qui crie. Ouais. Tout pour te foutre dans la merde. Je reviens à la voiture, tu me prends en vol. Ouais, c'est ça. Réparer le moteur, il faut 4 de mécanique. Ouais, attends, je suis en train de fouiller la cuisine pour y trouver du sel et du poivre. Mais... T'as bien laissé la clé sur la bagnole? J'ai pas touché à la voiture, donc je vais même pas remonter dedans. Merde, du coup, il y a des gens qui tapent maintenant. À la base? Ouais, à la base, ouais. Je dépose mon poids et je vais acheter un œil. Pareil. On va équiper la fourche. Katax, tu me dis quand c'est bon. Perso, je sors pas par la porte. J'arrive, je serai pile devant le pile of crap. On va éviter de les faire rentrer. Ah, ils sont là. Mauvaise idée, effectivement, je viens de voir la horde. Attends, moi je les fais descendre un peu. Attends qu'ils viennent. Ah, ouais, si tu veux. C'est bon. De toute façon, il me faut un peu de temps pour les tuer, moi. 4 coups de lance. Ok. Moi sinon c'est assez facile hein. Mais si tu veux vers le sud et que je les chope par derrière, ouais. Vas-y. La grande route. Ah. Ouais. Hop là. Attends sur le petit parking qui est juste. On est bon. Ok. C'est bon, nickel. Je suis à côté de toi. Bien ouais. Allez, je... Par l'autre côté. Alors du coup. On va dire Simon, c'est bon. C'est où la route? C'est en haut ou en bas? En bas. Il nous faut une fenêtre avant droite, il nous faut des feux. Non, justement non. Là... Ah, tu veux dire, la route pour aller à la base, il fallait prendre par en bas. Ah, c'est ça. Hop, les feux c'est bon. Il manque tout. Alors je suis un conducteur du dimanche, hein. Comme tu peux voir, le moteur il est à fond là. Pas grave, j'apprécie la balade. Je crois que j'ai passé la seconde. Wow, c'est pas mal ça. Alors, pare-brise avant, mais je pense que c'est pas le bon type ça. Tourne ici. Ouais, c'est pas le bon type de pare-brise, ok. Et je crois que j'aurais pu couper tout à l'heure par le petit chemin. Oui, sauf que comme t'es un conducteur du dimanche, je veux pas t'embourber dedans. Type résistant, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Faut pas du type résistant. Je crois que tu vas pouvoir arrêter l'épisode, Sven, si tu veux. Dès qu'on arrive à la base. Hein. Ok. Ah là j'ai le volant en main. Hein. Ouais. Au pire toi tu peux l'arrêter mais moi je lâche pas le volant. Non mais vas-y, tiens ton volant. Ah, j'imagine bien Slan ultra concentré derrière son. Non arrête, tais-toi. Mets la radio Katox, mets la radio. Avec le. Est-ce que tu passerais pas ta vite. Attends là je passe la seconde. Bouge pas. Je prends des risques. Hein. La voiture est à 15 000 tours minute, est-ce que tu veux pas juste passer la vitesse? S'il te plaît, fais quelque chose. Ouais, le moteur, c'est un vrai problème les moteurs. Hein.
Putain, mais fait trop de bruit cette bagnole, le silencieux est mort, Katox. Non, non, si t'es pressé, tu peux courir, hein, à côté de la bagnole. Ouais, c'est ça. Ça me rappelle un voyage avec une grand-mère où elle a. Regarde ce qu'on te ramène, le signe. Ah bah parfait, attendez, je vous ouvre. Non, bah je te laisse le moteur allumé et on va dire au revoir à tout le monde. Bye bye. Au revoir à tout le monde. Et personne n'est mort et on a ramené deux bagnoles quand même. Et deux barbecues. Ciao ciao.